Je suis passé donc de ça à ça. On met la mise au point sur le petit visage d'Amaury et du coup je peux te dire salut à tous, c'est Amaury et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ça fait longtemps quand même qu'on s'est pas vu, ça fait très longtemps. Ça fait... ou quand même, j'espère que mon visage ne t'a pas trop manqué. Si c'est le cas, bah abonne-toi. Maintenant tu peux pas être abonné, bref, t'as compris le truc. En gros aujourd'hui je vais te parler de mon expérience Roaccutane, on peut le dire comme ça, ou de mon expérience avec mon ami l'acné. Le truc qui m'a fait souffrir toute ma vie. En gros, j'ai que 18 ans, du coup, ça m'a pas vraiment fait souffrir toute ma vie. Bref, t'as compris le truc, je viens de jeter un truc, tu sais pas ce que c'est, mets-le en commentaire si t'as cru deviner ce que c'était. Mais je vais te parler de moi, c'est très narcissique comme vidéo. J'espère que ça va pouvoir t'aider si tu es dans cette galère et je suis là pour t'aider. À la fin de cette vidéo, tu auras la solution à ton acné. Si tu me crois pas, ben, regarde la vidéo. Alors, tout a commencé quand j'avais un peu 10 ans, je pense que t'étais au CM2. J'avais les petits boutons qui commençaient à apparaître et le pire, c'est que j'étais content. Tu te rends compte du truc? J'étais content. Alors que non. Oh non non, si j'avais su. Du coup, en gros, j'étais content de l'avoir fait. Et le pire truc que j'ai pu faire, c'est de les percer. Pendant après 5 ans, je les ai percés. Nom de Zeus. Nom de Zeus. Il faut pas faire ça. Il ne faut pas percer ces boutons parce que un percé, 10 heures trouvées. Et puis là, ça marche vraiment. C'est pas comme pour les filles ou les garçons. Hein. Non, 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 non. C'est pour les boutons que ça s'applique. Le truc, c'est que ça continuait. Ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et mon visage n'avait presque plus de place. Tu peux voir peut-être ici des photos si j'arrive à en trouver, tu vois le truc. À un moment, faut dire stop. Et puis, ben, ça a continué. Mais pas que sur le visage. Ça aurait été trop simple, mon histoire. Le torse et le dos. Mais tu voulais quoi après mes aisselles, mes mains, tout ça? Non. Heureusement que ça s'arrêtait là. Et le truc, c'est que pour pécho, c'était très dur. Non, et en gros, ça m'enlevait la confiance en moi que j'avais. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais en gros, j'espère que t'as compris. Et puis, ça me bouffait. Si je ne voyais que ça, je ne faisais attention que à ça, et je ne pouvais pas profiter de ma petite jeunesse sympathique. Revenons à notre histoire. En fait, j'avais tout essayé. Tout essayé. Des crèmes, du melon, de la tomate. Ouais, la tomate, tu mets comme ça. Des gommages. J'avais essayé quoi d'autre? Du glaçon. Un glaçon que tu mets là pour refroidir les pores. J'avais essayé le soleil pour ouvrir tes pores. Deux trucs qui n'ont rien à voir, mais j'ai quand même essayé. J'ai essayé tellement de crèmes. Oh là là. Ça a coûté cher. Ça a coûté très cher. Et ça n'a pas du tout marché. Je me suis renseigné sur internet. Et le truc est apparu comme une évidence. Roaccutane. Si j'avais écouté tous les effets secondaires que pouvait faire ce médicament, je ne l'aurais pas fait. Mais comme je dis, chaque être humain est différent, donc chaque être humain ressent les choses différemment. Tu comprends le truc? J'espère que oui. J'ai quand même osé prendre rendez-vous avec un dermatologue. C'est gratuit. C'est comme les médecins. Du coup, ça ne te coûte rien. Bah, je lui ai montré mon acné, et elle m'a dit, là, c'était le truc le plus important de cette vidéo, donc ne mets surtout pas sur pause parce que c'est le truc le plus important de la vidéo. Elle m'a dit qu'il y avait deux types d'acné. L'acné maladive, ouais, ça se dit comme ça, l'acné où c'est une maladie, et l'acné hormonal. Donc 80% de la population est touchée par l'acné hormonal. C'est une statistique que je viens d'inventer, mais je pense qu'elle est à peu près juste. Donc l'acné hormonal, c'est quoi? C'est l'acné que tu as quand t'es adolescent, donc la chose la plus normale au monde. Mais après, elle est censée s'arrêter, se diminuer quand tu deviens adulte, quand les hormones arrêtent de... Tu comprends le truc? Et l'acné maladive, celle que j'avais et celle que tu as probablement toi aussi, peut-être, j'espère pas pour toi, c'est l'acné qui dure tout le temps tant que tu la traites pas. Le truc, c'est que si j'avais pas traité mon acné, bah j'aurais encore des boutons à 30 ans, à 50 ans, à 120 ans. Si je dirais jusqu'à 120 ans, 120 ans. Et c'est pour ça qu'il faut la traiter. Parce que tout le monde pense, oui, ça va passer, c'est le temps. Non, 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 mon petit Michael. Je t'appelle Michael, tu m'en veux pas? Et du coup, bah elle m'a prescrit Roaccutane. Mais d'abord, faut passer par les crèmes. Les crèmes, c'est quoi? C'est une crème de nuit que tu dois mettre sur une sur le visage et une sur le torse et le dos, parce que j'ai des boutons où sur le torse et le dos, c'est bien, tu suis plutôt bien, hein. Mais ça va, c'était pas le plus pire, ça ne se dit pas français non plus, et pendant un mois tu fais les crèmes et tout, voilà, tout blabla, et puis après arrive le jour où t'as la première pilule Roaccutane, et cette pilule est adaptée en fonction de ton poids. En gros, si tu pèses 80 kg, tu as 40 mg je crois, donc c'est ton poids divisé par 2, bref. Et du coup, ben, le premier poids passe, le deuxième aussi, et c'est là, à partir du deuxième mois, que j'ai ressenti deux trucs. Les effets positifs de Roaccutane, donc les boutons en moins, tout ça, et les effets négatifs. Heureusement pour moi, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu les lèvres sèches, comme tu peux le voir, juste là.
J'ai eu quoi, la peau très sèche aussi, et puis des sauts d'humeur, bon après ça... Donc je n'ai pas eu de saignement de nez, j'ai pas eu besoin d'une canne pour avancer de marcher parce que mon dos était tout bloqué, j'ai pas eu plus de repousse ou quoi que ce soit. Oh putain, c'est très bien passé pour moi, j'ai fait ça pendant 9 mois, et après j'avais une peau nickel, comme tu peux le voir juste là. Et merci à ces dermatologues de m'avoir mis sur Roaccutane. La morale de l'histoire, on n'est pas dans une fable de La Fontaine, mais c'est pas grave. Si tu as une acné maladive, fais Roaccutane, je pense que c'est la seule chose qui marchera pour toi. Ça a marché pour moi, ça marchera pour toi. Et pourtant, j'étais pas un cas très facile, je pense. Si tu as d'autres questions à me poser, je répondrai vraiment à tout. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à la prochaine, peut-être pour une vidéo, pourquoi pas. Guacamole, porte-toi bien. Peace.